Hey, what's up? Ça va? Moi, je vais très très bien. Je suis à Paris aujourd'hui et je vous fais une nouvelle vidéo. Ça se voit, je crois. Hein? Une vidéo capillaire. J'ai été approchée récemment par l'application Ma Coiffeuse Afro. Je les avais déjà contactées il y a 2 ans ou 1 an. Bon, je sais plus. Mais voilà, j'avais déjà fait appel à eux. Et j'avais adoré l'expérience. Là, c'est eux qui m'ont contacté pour revivre une expérience capillaire. Et je me suis dit pourquoi pas, surtout qu'en ce moment mes cheveux sont fatigués avec le froid qui arrive à Berlin et à Paris. Donc, c'est une très bonne période pour qu'ils se reposent un petit peu. Donc, aujourd'hui, je vais me faire coiffer par une charmante demoiselle qui ne va pas tarder à arriver. Je vous montrerai tout ça en image et je vais vous dire comment s'est passée l'expérience, comment j'ai trouvé le concept, même si je connais déjà. Mais on va voir comment ça se passe aujourd'hui et je vous donnerai toutes les informations concernant cette application. Voilà, je vous montre tout ça en image. Je vous fais déjà de gros bisous et à tout à l'heure. Alors, il faut savoir que Ma Coiffeuse Afro, c'est l'idée de Rebecca qui, il y a à peu près 3 ans de ça, cherchait une coiffeuse auprès de chez elle, dans les alentours, et elle n'en a pas trouvé. Et elle s'est dit que c'était pas normal parce qu'il y a quand même de nombreuses coiffeuses à domicile où elle se trouvait et que c'était pas normal qu'elle n'en trouve pas une. D'où est venue cette idée d'application Ma Coiffeuse Afro, qui est en fait une interface entre des coiffeuses professionnelles ou non, qui peuvent se déplacer à votre domicile ou vous pouvez aussi aller à leur salon quand elles sont professionnelles. Donc je trouve l'idée géniale. Des fois on n'a pas le temps d'aller en salon et on préfère être à la maison. Surtout avoir le choix parce qu'il y a quand même énormément de coiffeuses sur l'application. Il y en a énormément pour tous les styles, pour des défrisages, pour des tissages, pour des nattes, pour des braid-out et voilà, tout ce qui touche de loin ou de près le cheveu afro, vous le retrouvez sur le site et c'est vraiment génial. Donc, je vais sur l'application Ma Coiffeuse Afro qui se présente comme ceci. Ici, je vais choisir la ville où je souhaite recevoir la coiffeuse, le jour, voilà, au hasard, la coiffure que je souhaite, donc vous avez aussi du maquillage et des soins, on fait simple, je prends des tresses, et où, alors la coiffeuse peut venir soit à domicile, en salon, ou vous pouvez aller chez elle carrément, voilà, je vais mettre à domicile, et on recherche. Maintenant, vous avez toutes les coiffeuses qui coiffent autour de chez vous avec leur disponibilité. Donc là, elles sont indisponibles par exemple. Et là, vous avez Josie qui est disponible ce jour-là entre midi et 18h. Vous pouvez voir son agenda aussi. Si je veux la contacter, ben voilà, tout simplement, si j'ai des questions à lui poser, l'email, le mot de passe, se connecter et je peux lui envoyer un message. C'est aussi simple que ça, vous pouvez payer en ligne, comme ça vous n'avez pas besoin de faire des échanges d'espèces, c'est vraiment super bien fait. Je suis de retour à Pointe-à-Pitre, au soleil. C'est vrai qu'on a terminé très tard avec la demoiselle qui m'a coiffée à Paris, ce qui fait que je me suis dit, bon, vu l'heure, je vais me reposer, je ferai ça tranquillement une fois arrivée à Pointe-à-Pitre. Donc, me voici. Comment j'ai trouvé l'expérience? Alors, faut savoir que cette fois-ci, donc c'est Ma Coiffeuse Afro qui m'a contactée. Mais les fois précédentes, puisque comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà utilisé cette application. Donc, je mets l'endroit où je suis, la ville. Je mets la date, ce que je veux comme prestation. Et ensuite, j'ai une liste de coiffeuses qui s'affiche avec leur disponibilité. Je réserve celle que je veux. En tout cas, je prends déjà contact avec celle que je veux. Je parle avec elle pour voir si c'est OK. Tous les détails sont affichés, le prix, si elle se déplace, tout ça.
et ensuite elle vient avec les mèches si vous en avez pas. Comme vous êtes chez vous, généralement vous avez les produits qu'il faut, mais voilà, ce qui est bien c'est qu'elle peut aussi venir fournir les mèches pour tout ce qui est braid, tissage, tout ça. Donc cette fois-ci, j'étais à l'hôtel et la coiffeuse donc a ramené les nattes, les tresses comme vous pouvez le voir. Ça a pris 5 heures. Bon, elles sont quand même petites. Elles sont petites, il y a aussi, donc là il y a des tresses, mais à l'arrière j'ai des nattes. Et elle était trop douce, elle était trop douce, patiente, super agréable. On a parlé pendant pratiquement 5 heures, de vraies pipelettes, mais elle était super cool. Ça s'est très bien passé, et ce que j'ai apprécié c'est qu'après j'avais pas mal. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai déjà eu des expériences où le soir quand je vais me coucher après les tresses, impossible de dormir tellement ça fait mal, tellement ça tire, et là pas du tout, vraiment très douce, j'ai adoré l'expérience. Ce que j'aime particulièrement avec l'application, c'est qu'il y a possibilité de discuter avec les coiffeuses. Et ça, je trouve ça trop cool, quoi. Donc, vous n'avez pas de surprise à l'arrivée. Est-ce que vous avez les nattes? Est-ce qu'elles doivent vous les fournir? Est-ce qu'il y a d'autres prestations que vous souhaitez? Et vous avez toutes les informations avant qu'elles n'arrivent. Comme ça, une fois qu'elle est là, tout se passe très bien. Donc, je suis vraiment contente pour cette nouvelle expérience. J'adore ma coiffure. En plus, mes cheveux sont fatigués. Ça va leur faire du bien de rester comme ça au repos pendant quelques temps. Moi, par contre, je peux pas garder des nattes ou des tresses plus de 10 jours. J'y arrive pas. Je sais que certaines arrivent un mois, voire plus, comme me disait la coiffeuse. Moi, j'y arrive vraiment pas. Donc, à la fin du mois, je pense que je ferai autre chose. Surtout que là, il commence à faire vraiment froid en Europe. Donc, voilà. Là, il se repose. Ensuite je les enlèverai, une bonne semaine de soins, enfin, une journée de soins, et en tout cas les laisser tranquilles pendant une semaine, et pourquoi pas refaire autre chose avec l'hiver qui arrive. Voilà, donc si vous ne connaissiez pas, je vous mets le lien de l'application et du site en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà utilisé cette application et comment vous l'avez trouvée, quelles sont vos expériences. Je vous fais de gros bisous encore une fois. N'hésitez pas à activer la petite cloche en bas si vous voulez être au courant des vidéos qui arrivent sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.